صح شبكم؟ Bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour cette soirée ramadanesque. Et je vous remercie d'avoir pensé à moi pour animer cette soirée carrément. C'est pas, je ne dirais pas cette conférence parce que je n'aime pas le mot conférence pour les soirées ramadanesques. Vu que toute la journée, les gens jeûnent, et puis ils mangent le soir. Et bien sûr, quand on mange le soir, on essaie de récupérer tout ce qu'on avait perdu pendant toute la journée. Je viens au plat principal, aux plats principaux, parce qu'il y en a plusieurs, aux salades et à une brique. J'ajoute une conférence, alors là, c'est un geste. Or, ça sera juste une rencontre. Une rencontre que le thème est le conte. Le conte est, on m'a demandé de faire ça en français, puisque dans les interlocuteurs, il y a pas mal de gens, enfin il y a tout le monde qui sont bilingues et ceux qui ne sont pas bilingues sont francophones. Alors que je salue d'ailleurs tout le monde. Je remercie aussi Olf qui est avec nous là pour interpréter dans le langage des signes pour une certaine catégorie de gens dont je suis très content, heureux et honoré qu'ils sont parmi nous, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous joindre, qu'ils peuvent nous écouter. Et j'entame directement notre sujet. Alors, le sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on m'avait demandé de parler, c'est le conte. Et le conte, je pense que c'est l'art un des plus anciens du monde. Ce n'est pas le plus ancien par excellence. Ça veut dire que c'est la forme artistique la plus ancienne. Parce que l'être humain a commencé à parler et à s'expliquer certaines choses qui l'entouraient et il racontait des histoires. Et d'ailleurs, on peut même penser à l'histoire ou le conte de Gilgamesh, un conte très ancien qui a même précédé les contes grecs et autres. Gilgamesh, qu'on croit le premier conte de divinité pour expliquer le monde, pour expliquer le pourquoi et le comment. Et bien sûr, par la suite, au fur et à mesure que l'être humain s'est développé, ou la culture humaine s'est développée, alors, il a créé d'autres formes artistiques, mais le conte est resté dans notre patrimoine partout dans le monde. Partout dans le monde parce que chez les Hindous, chez les Persans, chez les Arabes, chez les Européens, les Grecs, les Romains, et partout et à travers l'histoire, on a toujours eu cette forme d'art qui a excellé, qui a vu un développement assez important. Et quand on dit conte, d'ailleurs l'image que j'ai, c'est une personne d'un certain âge, pour ne pas dire vieille, adossée contre un arbre dans la nature, entouré de jeunes personnes qui est en train de raconter des histoires. Et ça, cette image, on la trouve encore dans le réel, en Afrique noire notamment. On trouve ce genre de conteur public qui raconte l'histoire de sa tribu, de sa région,
Jean. L'histoire selon lui, bien sûr, selon la tradition orale. Et bien sûr, le monde arabe a participé dans ce phénomène depuis l'Antiquité. Ça veut dire le monde arabe, pas seulement à l'époque musulmane, mais à l'époque pré-musulmane, il y a des conteurs. Il y avait des histoires qu'on racontait. L'histoire, en grand H, on l'a racontée aussi en forme de conte, et cela s'est développé, et c'est devenu surtout à la Renaissance européenne, et au siècle des Lumières européens, c'est devenu ce côté oriental du conte, c'est-à-dire le monde fantastique oriental de l'Orient, qui a fait que l'Orient, enfin l'Occident, s'est limité en quelque sorte dans cette image. L'image orientaliste de voir les belles femmes, la jeune et belle dame raconter des histoires, Tarazat, les mille et une nuits, les fameuses mille et une nuits. Alors, justement, c'est devenu pratiquement un mythe lui-même, le conte lui-même est devenu mythique, vu l'image qu'on a reçue, qui est devenue l'image un petit peu figée du conte. Or, le conte lui-même, on peut lui attribuer d'autres vertus, notamment les contes, à part que ça distrait notamment les jeunes et les moins jeunes, mais aussi du conte, on peut comprendre une société, avoir une idée sur la culture de cette société, la démarche intellectuelle de la société. Je cite par exemple parmi les éminents professeurs de l'université tunisienne, le professeur Abdelhab Bouhadib, l'éminent docteur en philosophie, Abdelhab Bouhadib qui avait utilisé le conte pour expliquer certaines manières de voir les choses, de voir le monde. Alors, il a pris ces contes-là, il a essayé de les chiffrer pour comprendre ce qu'il y a dedans, pour aller au fond de la pensée humaine, mais de la pensée d'une société, de la société tunisienne en l'occurrence. C'était un des premiers, des pionniers, universitaires tunisiens qui ont fait ça, et par la suite, plusieurs autres ont pratiquement suivi la même démarche. Il y a des livres, certain nombre de livres qui se basent sur le conte pour expliquer, pour avoir une idée, pour avoir des thèses, des antithèses bien sûr, sur la manière de voir les choses, la manière de penser d'une société, et notamment là, la société tunisienne. Et justement, je crois que en tant que de ma situation en tant qu'historien, je pense que le conte facilite l'approche à l'histoire. Parce que justement, l'histoire, c'est un conte. Et vous savez que la matière en elle-même, l'histoire en elle-même, c'est une matière assez lourde, assez indigeste. Alors, vous savez que pratiquement, l'histoire, c'est telle date, il faut que l'événement qui est arrivé à telle date, à tel jour, parce que je sais quoi. Et j'étais étudiant et j'étais élève, bien sûr, comme vous tous. Et on sait que le fait d'apprendre l'histoire comme ça, d'une façon classique et académique, c'est pas à la portée de Monsieur Tout le Monde. C'est pour ça que, en utilisant les outils du conte,
on peut faire rapprocher l'histoire à tout le monde et la faire aimer aux autres, même à ceux qui ne sont pas des spécialistes ou qui ne comptent pas l'être un jour. Alors justement, parce que le conte a une technique. La technique est pratiquement un petit peu connue par tout le monde. La technique, c'est la narration, mais une narration qui n'est pas monotone. Il faut avoir une narration un petit peu avec des reliefs, avec bien sûr les grimaces, les gestes, le regard, le ton qui change selon les situations racontées. Et là, on peut capter l'attention de l'interlocuteur et lui faire passer cet amour envers l'histoire en contache, l'histoire d'un pays ou l'histoire d'un peuple. Et c'est pour ça que le conte a pris une autre dimension. Ce n'est plus des choses mythiques ou imaginaires, mais des choses qui peuvent être réelles, de l'histoire réelle, mais la façon de les raconter, c'est attire bien sûr certaines attentions. Et personnellement, j'ai bien exploité cette technique en racontant l'histoire, et je crois que selon les retombées, je crois qu'il y a certaines réussites, parce que des âmes du monde et qui n'aimaient pas du tout, détestaient à la limite l'histoire, en l'écoutant narré en conte, il change d'avis et il commence à apprécier cette matière, comme j'ai dit, qui est à l'origine est assez est très noble, mais assez lourde quand même pour les gens qui ne sont pas spécialistes. Alors, ceci dit, j'aimerais bien partager avec vous un conte tunisien. Je dirais même tunisois, parce que vous savez que il y a des contes de villes, d'états, de villes, dans un il y a les villes, et il y a les zones rurales. Et là, les contes sont différents. Ce n'est pas la même manière. Ce n'est pas le même approche. Généralement, d'ailleurs, d'après certains chercheurs, comme c'est Mohamed Jouli, qui a écrit sur la psychologie africaine, un livre qui s'appelle comme ça, psychologie africaine. Il a regroupé certains contes de villes citadines et certains contes ruraux. Et la différence, c'est que pour la campagne, les héros du conte sont toujours des animaux, ou à la majorité des cas, c'est des animaux. C'est des animaux qui parlent. Les protagonistes du conte sont des animaux qui prennent la parole, et ils deviennent décideurs et tout. Et par contre, pour la ville, généralement, les protagonistes sont des êtres humains. Et tous, on a vécu cela, j'imagine. On a vécu, enfin tous de mon âge du moins, peut-être les jeunes qui sont là, bien sûr toutes les femmes qui sont là sont plus jeunes que moi, toutes sans exception. Pour les hommes, certains qui ont le même âge, certains qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Mais je suis certain que ceux qui ont mon âge se rappellent de leur grand-mère qui, les après-midi ou les soirs notamment, surtout les soirs d'hiver, se mettait avec une thermos de thé et regroupait tous les jeunes ou les enfants de la famille pour leur raconter des contes, des histoires. Et
Ça se faisait aussi pendant les soirées de Ramadan. C'est pour ça qu'on est là et que je vais essayer de traduire en français un des contes tunisois de la vie de Tunis. C'est l'entreprise n'est pas facile, hein, parce que bien sûr c'est très pas technique, mais c'est très tuniso-tunisien. Mais quand même, je vais essayer de traduire cela, espérant que le message pourrait passer. Alors, je commence le conte de la vieille et du diable. Vu que la tradition islamique veut que pendant les 30 jours, les 29 jours de Ramadan, tous les diables sont enchaînés. Alors, j'exploite cette opportunité pour parler du diable, puisqu'il n'est pas là. Parce que généralement, quand on parle du diable, alors là, le diable ne peut pas venir parce qu'il est enchaîné, et tant mieux pour nous. Alors, l'histoire de la vieille et du diable. Un beau jour d'été, où le soleil tapait plein, il faisait tellement chaud ce jour-là, c'était en plein août, pendant la sieste, une vieille dame, très vieille, qui rôdait dans les rues. En levant le regard, elle a vu assez loin le diable qui était assis sur une pierre, qui était très fâché, mais malheureux aussi. Elle a vu ce visage un peu triste, trop triste, je dirais. Alors, elle était là, dans un état lamentable. Alors, la vieille est allée vers lui. « Ah, bonjour, mon fils !» Le diable lui a répondu « Bonjour !» Il dit « Mais je vois que tu es mal à l'aise. T'es pas bien dans ta peau. Qu'est-ce qui se passe ?» Alors là, le diable s'est mis à lui expliquer quelque chose. « Regardez, vieille dame, voyez la maison, la porte d'en face ?»« Oui, je la vois. » »« Derrière cette porte, il y a une maison. » »« Mais bien sûr, derrière toute porte, il y a une maison. » »« Oui, voilà. Dans cette maison, il y a un couple. » Une femme et son mari. Depuis plus d'une vingtaine d'années, j'ai essayé, et j'ai toujours essayé, de les séparer, de s'aimer la cisanie entre eux. Mais, dommage pour moi, je n'y arrive pas. Je ne suis jamais arrivé. À chaque fois, j'arrive, je viens chuchoter à l'oreille du mari des choses malsaines à propos de sa femme. Il fait semblant de rien écouter. La même chose, je le fais pour la fille, pour la dame. Et aussi, elle balance ce que je dis, elle ne donne pas importance. Et cela me désespère. Je voudrais bien les séparer, ces deux-là. Alors la vieille dame l'a regardé comme ça, un regard bizarre. Elle a dit, et si j'arrive à les séparer? Qu'est-ce que tu me donneras? Ah, là, tout ce que tu veux. Ah, à la pensée, lui a dit, je voudrais des babouches, des sandales. D'accord, marché conclu. Alors, il dit, d'accord. Alors, demain, à la même heure, on se voit ici et l'affaire sera conclue. Ah, oh, le diable s'est mis à rire. Mais, grand-mère, moi, ça fait... une vingtaine d'années que j'essaye de les séparer, de semer la cisanie entre eux. Moi, le diable en personne. Et je n'arrive pas. Et tu vois, tu viens me dire que tu feras ça dans une demi-journée. Mais t'es folle. La vieille s'est mise en colère. Mais en colère! Tu oses mettre en doute ma parole, la parole d'une vieille dame. Alors là, le diable a pensé et s'est dit, mais après tout, pourquoi ne pas essayer?
De toute façon, ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. Marché conclu. Ils se sont serrés la main. Et chacun est parti de son côté. Le lendemain, comme par hasard, c'était un vendredi. Alors la vieille dame a mis une djebba verte, une écharpe verte, un chapelet vert, et elle s'est voilée dans une voile en soie, ce serhir. Et elle a pris sous son épaule, elle a pris un petit sac, plutôt un foulard, où elle a mis dedans une djebba, une chéchia, un couvre-chef, et des babouches pour hommes. Arrivant devant la maison en question, elle met le pied dans la boue et elle fait salir sans cesser sa voile. Elle frappe à la porte. La maîtresse de maison sort. Elle trouve cette vieille dame belle comme tout, une vieille mignonne. Elle dit, ma fille, s'il te plaît, je devrais me rendre à la mosquée pour faire mes prières de vendredi. Mais regarde le malheur qui m'est arrivé. Regarde mon sorcellerie. Et il est plein de saleté. Tu penses que je pourrais y aller à la mosquée comme ça, dans cet état? S'il te plaît, ma fille, sois gentille. Je reste à attendre dans la strifa, dans l'entrée de la maison. Et puis, vous me lavez le sorcellerie pour que j'aille à mes prières dans les règles de l'art. Alors la dame lui a dit, mais bien sûr, mais entrez maman, vous êtes comme une mère pour moi. Alors entrez, non, non, ne restez pas dans le vestibule, non, non, venez dans la chambre. Elle a amené s'installer sur une banquette dans le bout de la pièce maîtresse de la maison. Elle a pris le sorcellerie, bien sûr pour le laver. La vieille dame, quand elle a regardé à droite, à gauche, il n'y avait personne et la maîtresse de la maison était ailleurs. Elle est allée dans la petite chambre à côté, où c'était la chambre à coucher du couple. Elle a mis sur le lit la djebba, le chichia sur la table de nuit et les babouches à la porte. Elle a alors pris sa place sur la banquette. Alors la maîtresse de maison est rentrée, lui dit, voilà, j'ai lavé votre sorcellerie, il est là au soleil pour le faire sécher. Il va sécher très vite, vous savez, il fait très chaud ces jours-là. Mais est-ce que vous voulez m'honorer de rester manger à midi avec moi? Oh non, non, ma fille, non, je ne peux pas, je dois aller faire mes prières. Mais maman, mais vous savez que toute votre vie, vous avez fait des prières, une exception aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai fait du couscous, un très bon couscous. Veux-tu rester congé avec moi? Bon, elle a fait semblant d'être mal, enfin, pas mal, pas bien dans sa peau, mais voilà, si vous me le dites, alors je ne peux pas vous refuser cette demande. Et la dame était aux anges, parce que cette vieille dame, avec toute la baraka qu'elle a amenée dans la maison, va rester manger chez elle et l'honorer de cela. À midi, pile, la table était mise, un grand plateau de couscous avec de la viande était dessus, et deux cuillères et un verre d'eau. Alors, la dame, la vieille, a fait semblant d'être mal à l'aise, pas trop bien. Mais qu'est-ce que vous avez, grand-mère? Elle dit, écoutez, ma fille, moi j'ai honte de dire ce que j'ai à dire. Mais vous savez, moi j'ai une habitude bizarre. L'habitude bizarre, c'est quoi? Je peux le savoir. Écoutez, moi, je mange avec deux cuillères. Deux cuillères? Comment ça se fait? Elle dit, écoute ma fille, je suis une femme pieuse et je ne veux pas manger hors qu'il y a les anges gardiens qui sont là à regarder. Ils ne peuvent pas manger avec moi. Alors d'habitude, je mange avec deux cuillères. Une pour moi et l'autre pour les anges gardiens. Alors la fille s'est dit, oh, cette dame est vraiment une sainte. Elle mange pour les anges.
Maman, restez là, je vais vous amener une douzaine de cuillères. Non, une autre seulement, je mange avec deux cuillères seulement. Et la fille est allée très vite chercher une deuxième cuillère. Justement, ils ont commencé à manger, alors elles étaient une en face de l'autre, elles mangeaient et la vieille mangeait une cuillère devant elle-même, parce qu'on mangeait dans le temps, on mangeait dans le même plateau, dans le même récipient, et elle mangeait avec la deuxième cuillère de l'autre côté. Jusqu'à tel point qu'elle a fait deux trous dans le couscous. Et le troisième, c'était la maîtresse de maison, bien sûr. Et du coup, ils étaient encore à table quand le maître des lieux est arrivé. Ah, bon appétit! Alors, je vois que tu as de la visite. Soyez la bienvenue, grand-mère. Alors, la vieille le regarde comme ça, de haut en bas. Elle lui dit, mais c'est qui c'est ce bel homme? La dame lui dit, c'est mon époux, ma grand-mère. Mon époux? Alors, l'autre qui était là, c'était qui? Quel autre? Je dis, l'autre homme qui était là. Il est entré, il nous a salués, et puis il a ôté sa djeba, il est venu manger avec nous. Je dis, moi je fais entrer d'autres hommes après, à part mon mari. Mais on était toutes les deux, toutes seules. Mais regarde, elle a dit, mais regarde, il y a la place, sa place, il mangeait ici. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est parti dans le néant. Elle dit, mais grand-mère, c'est vous qui avez dit que vous mangez pour les anges. Oh non, c'est pas possible là. On ne mange pas pour les anges, ma fille. Mais d'où est-ce que tu as tiré cette histoire? Mais c'est vous, grand-mère, qui a dit ça. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, vous. Alors là, le bonhomme, le pauvre, ne comprenait rien et il s'est dit, je vais vérifier. Il est allé dans la chambre à coucher à côté et justement, sur son lit, il y avait une djebba. Sur sa table de nuit, il y avait une chéchia. Et devant le seuil de la porte, il y avait des babouches. Ah! Alors la vieille ne disait pas mensonge. Il y avait quelqu'un ici. Il a tenu sa femme par le cou, lui demandant de dire la vérité. Mais son épouse était hors d'elle, mais elle ne comprenait pas la chose. Et comme par hasard, en la poussant, lui cogne la tête contre le mur et elle tombe par terre évanouie. Lui, quand il a vu sa femme dans cet état, s'est mis en cause, il a commencé à pleurer, à crier, il sortait de son état naturel. La vieille a pris son cécel qui était accroché sur le fil de linge, elle s'est enrobée dedans. Elle a quitté les lieux. Elle avait rendez-vous avec qui? Elle avait rendez-vous avec le diable pour récupérer, bien sûr, ses babouches. Alors, elle a trouvé le diable assis avec un long bâton de 2 ou 3 mètres au bout duquel il y avait les babouches. Alors, le diable lui a dit, écoutez, grand-mère, prenez vos babouches et partez de loin. Parce que j'ai peur pour moi. Le diable lui-même, en personne, avait eu peur de cette vieille dame rusée. Faites attention, vieille dame rusée. Alors, je ne sais pas si cette histoire vous a, ou ce conte vous a plu, mais je dirais que c'est un modèle, c'est un des contes, plusieurs. Et généralement, quand j'étais gamin, quand ma grand-mère me racontait ce genre de contes, elle me demandait à la fin de tirer la conclusion. Parce que pour tous les contes, il y a toujours des conclusions. Et je me rappelle, quand j'avais 8 ou 9 ans, qu'elle m'avait raconté cette histoire, la conclusion pour moi de ne pas faire rentrer chez soi une personne inconnue. Parce qu'on ne sait jamais.
Bon, je ne sais pas si ma conclusion est la vôtre, mais c'était ça la première chose à laquelle je pensais quand j'ai écouté pour la première fois le conte de la vieille et du diable. Chacun peut l'interpréter à sa manière. Bien sûr, les choses ont changé depuis 40 ans plus, je dirais depuis 50 ans, quand j'ai écouté cette histoire pour la première fois. Certainement, les conclusions, les vôtres, actuellement, en 2021, peuvent être différentes, parce que le monde change. Mais, comme j'ai dit au début, reste que ces contes-là sont toujours une source, une mine de connaissances, une source de savoir. Quand on creuse dedans, on peut découvrir pas mal de choses sur une société, sur une culture, et voire même sur des personnes d'une période bien précise, dans un lieu géographique bien précis. J'espère que mon conte vous a plu. Je remercie beaucoup l'Alliance française de Bizerte et les Bizertins aussi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour les Bizertins, vu que ce soir, c'était le soir de mi-Ramadan, le dîner, c'était pas pour moi du couscous, c'était de la macarouna diari, qu'on appelle chez moi macarouna klaberi. Vous savez qu'on fait à la maison. Je remercie aussi la directrice Madame Nadet qui a été très gentille avec nous. Le président Sifatri Bilkehia et bien sûr la com chez vous qui m'a permis d'être chez vous, bien sûr, et Olfa. Mille merci. Je sais très bien que j'étais fatigué avec mes contes. Je te fatigue souvent quand on est ensemble pour que vous interprétez ou vous faites passer le message à nos compatriotes qui n'arrivent pas à nous entendre, mais qui comprennent le langage de signes. Je vous remercie infiniment. Je souhaite à tout le monde bonne fin de soirée et bonne fin du mois de Ramadan. Merci.